Et salut à tous, bienvenue dans cette 21e vidéo. Aujourd'hui je suis de retour dans le village de Jeonju et le soleil m'accueille. Oh là là, ça c'est magnifique. Donc là je vais revisiter le village, le Hanok village, de journée avec le soleil qui est revenu juste à l'instant que je vous parle. Ah, j'adore. Bref, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ce qu'il me semble être un joli village. Allez, c'est parti. Il y a une parade. Ouh, j'attends. Sympa, hein. Si vous avez reconnu l'air qui siffle à la trompette, c'était Arirang, l'espèce de l'hymne national non officiel de la Corée du Sud. Vous vous rappelez de ce petit moulin? Je sais pas si je vous l'ai montré hier soir, mais moi je l'ai vu. Et donc c'est un café, et donc je vais dans ce café. Donc là je suis sorti du village, Hanok village, c'est à 200 mètres plus loin, là, 200 mètres derrière. Et donc je suis près d'une porte, alors j'ai oublié le nom, j'ai regardé sur internet. Hein. Cette fois-ci pour Jeonju, je vous avoue, j'ai regardé quelques trucs. Donc c'est une porte comme on voit un petit peu partout en Corée du coup, hein, parce que j'en ai vu, j'en ai surtout vu à Séoul. Mais vous savez, c'est les portes d'entrée dans la ville, parce qui étaient avant... Je dis n'importe quoi, bref. Et donc là, je suis en face de cette statue qui est apparemment... comment est-ce que je peux vous l'expliquer? C'est en mémoire des... En mémoire du passé douloureux de l'esclavage sexuel militaire par le Japon. Et donc, c'est un petit peu pour dédicacer... Pas pour dédicacer... Ouais, enfin, si, c'est ce qui est écrit, hein. Les citoyens dédicacent cette statue de paix qui a pour appel à la cessation de la guerre et de la violence, la réalisation de la paix et la sécurité des droits de l'homme. C'est ce qui a écrit à peu près, hein. Je vous fais la traduction en anglais vite fait, mais en gros c'est ça. Excusez-moi, j'arrive pas bien à trouver mes mots, mais bon, vous me comprenez, je pense. Statue très, comment dire, beaucoup de sens profond, bref. Et donc là je suis en face de la porte, je ne sais plus le nom de la porte, je vous avoue, j'ai regardé sur internet, mais de toute manière je vais vous l'écrire ou je vais aller le lire tout simplement. Ouais, c'est parti. Voilà, donc le nom de la porte c'est Pungnamun Gate, enfin Pungnamun quoi, la porte. C'était la porte sud de la ville, c'était la porte sud qui entourait la porte sud de la forteresse qui entourait la ville de Jeonju. Voilà.
Donc c'était le siège de Jola, c'était le siège de la province de Jola pendant la dynastie Joseon. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, tapez le nom de la porte. Je vais vous le zoomer comme ça. Unnamun. Bon, après avoir pris le taxi, qui m'a coûté 4200, 4300 won, pas grand chose, me voilà arrivé au parc. Oh là là. Moi, il est nom Tokchin Park. Voilà, c'était le parc que je voulais visiter aujourd'hui. Bon, hier, je vous avais dit que c'en était. Je pensais que c'était celui qui avait près du village, mais pas du tout. Donc, c'est parti. Ouais, donc ça, c'est un champ de lotus. Mais voilà. Les lotus en fin de vie, quoi. Imagine, donc je vous demande juste d'imaginer, voilà. À défaut d'avoir des vrais lotus en face de moi. Imaginez ce que ce serait si on avait que des lotus, là. Des fleurs de lotus. Hein? Avec, voilà. Voilà. Imaginez, imaginez. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Évidemment, il y a des voitures, il y a du bruit. Mais là, je me rends, enfin, je suis quasiment à un endroit qu'on appelle Omokde. Donc, j'ai vu qu'on peut avoir une belle vue sur le village traditionnel, là. C'est un beau petit endroit. Bon, après, voilà, c'est des trucs, ça se visite en 5 minutes. Hein. Mais bon, on est là pour voir le plus de choses. Et là, j'ai une jolie vue sur le village, mais il y a plein de petites branches, c'est dommage. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de branches. Alors je suis retour dans le village, il est 19h20. Pour l'instant, je vais me balader un peu, chercher un restaurant où aller manger. Pourquoi pas là? Je vais demander. Ouais, j'ai laissé ça et ça. C'est du kimchi. C'est des accompagnements, donc bon. D'habitude, je laisse rien, mais enfin, j'aime pas trop laisser, mais bon, là, faut dire que j'ai mangé tout ça, et tous les autres trucs. Et c'était bien bon. Et ça me coûte 20 000. 20 000, tout. Ah, c'était bien sympa ce restaurant. Il a un beau petit jardin. Une belle petite musique. Et en fait, ils ont failli pas me prendre parce qu'ils sont en train de fermer là. Mais du coup, on est dimanche et ouais, y a personne dans les rues, tout ferme. J'ai l'impression le dimanche. Donc j'ai bien fait de pas manger trop tard. Donc c'était assez sympa. Cette petite ville de Jeonju. Je pense que c'est un crochet à faire si vous êtes de passage en Corée du Sud.
Vous pouvez le faire en une journée. Donc moi je suis resté là deux nuits pour pouvoir, vu que je savais que j'allais arriver le soir, pour pouvoir profiter d'une journée entière. Mais clairement, en une journée, je pense que si vous venez pour visiter le village l'après-midi et finir par un petit restaurant la nuit, pourquoi pas. Enfin, ouais, petit conseil quoi, enfin je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça vaut le coup. Hein. C'est un très beau village, moi j'ai vraiment bien aimé. C'est une sorte de petit coup de cœur pour ce voyage. Il y a eu plusieurs coups de cœur, mais celui-là, j'aime bien. Enfin, après, chacun ses coups. Hein. Ouais. Bah, du coup, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je le dis pas souvent, mais je le dis des fois, quand j'y pense, en fait. Donc, n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram. Aujourd'hui, je vais poster quelques photos. Des choses que vous avez sûrement vues dans ce vlog aujourd'hui. Et... voilà, je vous dis merci pour votre soutien qui est de plus en plus visible, en tout cas par moi. Il y a de plus en plus de commentaires et tout, ça fait plaisir. Et bah, je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Demain, je retourne sur Séoul, dans une différente guest house que celle que j'avais prise au début. Tout simplement parce que, en fait, j'aurais bien voulu retourner dans la guest house là où j'étais avant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont plus de lit seul, simple. Ils avaient que des lits en dortoir et tout. Et bah ça me branche pas trop en fait. Enfin, c'est clair que c'est moins cher, c'est une bonne option et tout. Mais bon, moi comme je fais du montage vidéo et tout, la dernière fois j'étais dans une bonne chambre, j'étais bien tombé. Mais en vrai, il y a une certaine heure où tu peux plus le faire. Donc puis c'est galère un petit peu. Donc finalement j'ai pris une chambre tout seul dans une autre guest house un peu plus proche de Hongdae. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à demain pour de prochaines aventures. Je retourne sur Séoul, ça va être cool. Et voilà, merci. Annyeong.